Bon, James, il paraît que le trial, c'est ta vie. Mais c'est vrai, parce que toi, tu as commencé sur Monteza. Et ce que je ne savais pas, c'est que tu as développé la Monteza 348, c'est ça? Oui, je travaille avec le développement de la 348 et la 349, le premier modèle de 349. D'accord. Et donc, après, tu as fait ton parcours, tu étais pilote et préparateur chez Monteza, jusqu'à la 349, c'est ça? Ah oui, le deuxième modèle de 349, et après je suis parti chez Fantic. Et donc là, Fantic, tu partais de l'Espagne pour aller en Italie, donc c'était plus la même culture. Hein. Comment ça se fait que tu es parti chez Fantic Motor? Bon, j'ai passé une époque difficile parce que chez Monteza, ils ont commencé à avoir de problèmes avec les ouvriers et il y avait une ambiance chez Monteza qui ne me plaisait pas trop. Et alors, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Fantic et j'ai essayé la moto. J'ai vu que la moto, elle était propre, qu'elle était bien. C'était très différent et alors, j'ai choisi la Fantic parce que c'était un projet très intéressant. Donc toi, quand tu es arrivé, c'était la Fantic 200 Oui. avec un très très petit moteur parce que je crois que c'était 150 cm3. 159,6. Donc c'était incroyable parce qu'à l'époque, les autres pilotes, ils avaient des Bultaco 350. Donc c'était un projet fou d'aller sur des petites motos comme ça. Bien sûr, ça a été un projet très intéressant et je risque beaucoup. Je fais un risque très important parce que c'est seulement moi qui pensais que ça c'était possible. Tout le monde il disait le contraire, non? Et parfois, ça te fait encore plus fort, non? Parce que tu veux démontrer qu'est-ce que tu penses et alors ça te fait encore plus fort, non? Je me rappelle le premier trial que j'ai fait en Espagne. Il a fait un concessionnaire Monteza. Et alors, ils ont cherché toutes les zones très larges et difficiles. Ils pensaient que c'était plus difficile pour Fantic. Et je gagnais les trials, donc, parce qu'ils ont fait des zones qui n'étaient pas des gros cailloux avec des courbes serrées. Et là, peut-être c'était pas la meilleure moto Fantic, mais quand il y avait des problèmes d'adhérence, quand il y avait des grosses montées larges comme ça, la Fantic c'était une moto exceptionnelle. Et là, j'ai gagné le premier trial que j'ai fait en Espagne avec Fantic. Donc, et en plus, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, toi, tu t'es allé au Séjour d'Écosse avec cette petite moto Fantic 200, Oui. 250 cm3, et tout le monde pensait que tu n'allais pas finir le trial de 6 jours. Il y a une histoire très jolie que, avant de partir et après les courses, je devais aller à l'usine et parler qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce que je pense de le trial et qu'est-ce qu'on doit faire avec la moto pour cette trial. Et après la course, je rentrais encore chez Fantic pour expliquer comment était la course, la moto, s'il avait bien marché, où est-ce que j'ai eu des bonnes feeling et pas bon, non? Alors, on faisait toujours le report. Je me rappelle qu'avant d'aller au séjour, avec la petite moto, je pensais, bon, on va voir si la moto arrive à finir ou pas. Et alors, j'allais chez Fantic et il y avait tous les staff Fantic là. Et ils me disent, bon, qu'est-ce que tu dois faire pour aller au séjour? Je dis, bon, nous, avec la Monteza, on tire le starter parce que comme ça il arrive à plus d'essence, on n'a pas le problème de grippage et que le moteur se casse. Et le directeur de la fabrique il m'a dit bon, on va faire une chose. Tu pars avec la petite Fantic à fond le premier jour. Tu arrives le dernier jour à fond. Si la moto se casse, c'est un problème à moi, pas à toi. Je restais et je fais comme ça. Et je me rappelle qu'Adrien Prato, il a eu des problèmes et il n'a pas fini cette année le séjour. Et il était, je ne savais pas, il était derrière moi avec la voiture. Et il m'a dit qu'on est arrivé à faire 130 km à l'heure. Et il était derrière moi. Et je dis non, c'est pas possible. Oui, j'ai vu le compteur à 130 km à l'heure. C'était formidable. Et donc tu finis, je crois que tu étais cinquième, non? Septième, Septième. avec la descente, et après j'ai fini quatrième avec la descente 40. C'est beau, hein? Oui, Parce et qu'en en plus, plus, devant, il y a les Anglais. oui, arrière les Anglais, il n'y avait pas beaucoup de monde avant moi. l'année que je fais quatrième,
derrière moi, il y avait Vesterinen, il y avait Eddy Lejeune, Bernie Schreiber, Eddy Lejeune. Donc, il y avait le plus important du championnat du monde, et il était derrière moi. Et après 6 jours avec une petite moto, on était très bien contents. Une belle aventure. Oui. Et en plus, j'étais très content aussi parce que l'importateur anglais, il était très content avec moi parce que la première année que je roulais avec Fantic, le 6 jours d'Écosse, je pense qu'il y avait 10, 15 de Fantic. La deuxième année, ils étaient déjà 80 motos. Et la troisième année avec la 240, plus de 50% des inscrits, c'était Fantic 240. Bon, Fantic 200, 240. Incroyable. Donc, j'étais content, l'importateur il était content, et l'usine était content. Et je pense qu'il y a eu un grand succès. Bon, après cette Fantic 200, le projet Fantic, c'était de mettre un moteur un peu plus gros, mais qui n'était pas guère plus parce qu'il faisait 212. Et c'est cette fameuse Fantic 240 professionnelle où on dit que c'est toi le papa de cette moto. C'est vrai? Bon, moi, je suis très content d'avoir été chez Fantic parce que ce n'est pas possible une personne à faire une moto. C'est une équipe qui fait la moto et moi, être dans cette équipe pour travailler avec la moto, ça a été, je pense, des choses plus jolies qui sont passées dans ma vie, non? Parce qu'il y avait une équipe de personnes qu'ils étaient très forts en faisant son travail. Et en plus, c'était facile de travailler avec eux parce qu'il y avait le feeling parfait pour travailler et développer une moto. Puis c'était des passionnés, je crois. Hein, ouais, oui, c'était pour moi, chez Montesa, je suis content parce que c'est eux qui m'ont amené dans le monde de la compétition de trial. Et j'ai passé de très bons temps là. Mais il n'y avait pas l'équipe et les personnes qui s'intéressaient pour les motos comme en Italie. À l'Italie, j'ai trouvé des personnes qui tout le voyaient, qui le plaît la moto et qu'il fait. Fantic, c'était une usine très organisée et tout le monde il savait quel soit son travail, quel est son travail. Et l'équipe, toujours, c'était tout ensemble. Et on fait des choses bon, fantastiques. Et moi, je suis content avec le travail qu'on a fait, surtout avec la Fantic 240, parce que je pense qu'à l'époque, on ne pouvait faire rien, beaucoup plus de ce qu'on a fait. On est arrivé dans une position, je dirais, exceptionnelle. Donc cette Fantic 240, c'est le carton commercial. Hein. Je crois que elle représentait 60% du marché du trial. Hein. Ouais. Mais ces Fantic se vendaient, comme on dit en France, comme des petits pains. Et je me rappelle que Gilles Burgat, champion du monde 81, mm-hmm. sur SWM, est débauché par Fantic Motor. Ouais. Il monte sur cette Fantic 240, ce qui a permis aussi d'asseoir la notoriété de cette marque, hein, c'est ça, avec Gilles Burgat, que tu connais très bien. Au début, il y avait beaucoup de monde qui pensait qu'avec un cylindre 200, on ne pouvait rien faire. Et après, quand on a commencé dans les courses, tout le monde il a essayé la moto comme ça. Bon, je pense que beaucoup de monde il a changé l'idée et tout au contraire. En plus, une moto, il a été toujours très fiable et il a eu jamais de problème. Donc tout le monde il a commencé à parler Fantic. Encore il y a 2 ans, j'ai parlé avec Vesti. Il m'a dit la première fois que je te vis avec la Fantic, j'étais 2 semaines sans dormir parce que j'ai pensé mais comment il fait avec cette petite moto pour faire ce qu'il va, non? Donc, Vesti, c'était une personne très méticuleuse et il voulait savoir tout. Et il n'arrivait pas à comprendre comment on fait avec la petite moto pour être au niveau qu'on était, non? Donc, il y a de très sympas situations. J'ai trouvé des situations très jolies, très sympas. Et donc, là, après, toi, on te voit toujours sur des trials, hein, notamment au Ventoux. Où on te voit avec le beau team Gilles Burgat mm-hmm. et Fred Michaud. Mm-hmm. Donc là, on voit que vous éclatez comme des gamins là, sur ces motos. Hein. Bon, pour moi, c'est un plaisir maintenant pouvoir être avec eux. On est très bons amis.
et on le passe très bien. On s'amuse, on le passe très très bien pour pouvoir être ensemble. On discute la zone, comment on l'a fait, qu'est-ce que tu en penses. Et ça, pour moi, c'est déjà une victoire. Pouvoir être avec eux, c'est déjà une victoire. Eh oui, et puis Gilles, moi, et Fred, hein, ils sont sympas. Hein. Et ouais. Bon, Gilles et Fred, ils sont très bons amis. On le passe très bien. Et avec Gilles, on a roulé aussi le 2 jours Costa Brava et on a très bien passé. Toujours quand on se trouve, on le passe bien. Hein. Et pour moi, pouvoir être ensemble avec eux, c'est fantastique. Donc j'aime, toi tu es un amoureux de la mécanique, hein. Mm-hmm. Donc tu as été pilote d'usine, qui a fait le champion du monde et aussi préparateur, et maintenant tu continues toujours à faire de la préparation, notamment sur les fontiques. Donc toi tu as t'as un local où tu fais de la préparation chez toi. Oui. Et donc si ici je suis un client hein, qui a une fontique, qui veut la faire évoluer un peu, toi finalement tu as tout ce qu'il faut. Tu fais à la carte, suivant le besoin du client, tu peux faire quoi comme évolution? Bon, normalement, on travaille avec l'idée. On parle avec les clients, on lui dit, on a 7 produits, on le fait ensayer, et après, le client, il nous dit qu'est-ce qu'il plaît et qu'est-ce qu'il ne plaît pas, et on lui fait la moto à la mesure, et même esthétiquement. On a beaucoup de possibilités. On fait un design pour l'ordinateur et c'est le client qui choisit quelle moto il veut faire. Une fois on a décidé quelle moto il veut faire et quel component, parce que parfois ça c'est cher, donc il y a du monde qui ne fait pas toute la préparation. Alors on décide qu'est-ce qu'on veut faire, on fait les budgets et on dit bon d'accord, on arrive ici et après nous on donne une place de 3 mois normalement pour faire la moto, et le client et la moto qu'il a fait son design et avec la préparation qu'il nous a demandé après de faire les ensayes de la moto qu'on a. Et pour moi c'est très joli, après une trentaine d'ans pratiquement, encore être dans la situation de préparer la moto et d'évoluer la moto et tout ça, et pour moi ça c'est un plaisir. Hein. Moi je veux faire le mois de juin 67 ans. Et je roule encore dans la catégorie plus difficile et tout, et ça m'amuse beaucoup. Et ça m'oblige aussi à être en forme. Et c'est tout un ensemble de choses que je suis très, très content à mon âge, pouvoir être où je suis, que je fais les choses pour plaisir, parce qu'il me plaît beaucoup, et pouvoir travailler avec les choses que tu aimes bien. Et je pense que ça, c'est après une vie, pouvoir être ici, pour moi c'est fantastique, je ne demande pas plus. Celui que je veux, je le. Par contre, c'est très important que moi, je m'oblige physiquement à faire la préparation et tout pour être en forme. Et alors, ça, dans la vie, c'est un plaisir. Si tu as un âge et tu es encore, bon, tu te sens encore avec la force, avec la tête d'arriver. Un objectif maintenant, c'est faire les 6 jours de cross avec mon fils et avec ma moto, la moto que j'ai préparée. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est fantastique parce que je ne sais pas combien d'années je pouvais faire ça. Donc, pouvoir le faire déjà maintenant, c'est un plaisir. Parce que toi, tu as fait combien de fois les 6 jours d'Écosse? 14. 14 fois. 14 fois. Ah oui, d'accord. Donc, on a eu la chance d'essayer cette moto, qui est une moto d'un client, qui a presque l'ensemble des modifications que tu as fait. Je crois que tu m'as dit, ça a duré 5 ans. D'évolution, oui. De test pour arriver à faire une moto. Bon, il faut l'essayer, c'est incroyable. Le moteur, les suspensions, le freinage, c'est assez impressionnant. Hein. Mm-hmm. C'est, on dirait, un peu des réactions d'une moderne, au niveau, par exemple, la puissance de freinage. Donc ça c'est tout ce qu'on voit sur cette moto, c'est disponible pour un client. Oui. Moi, l'idée que j'ai eue pour faire cette moto, je n'ai pas pensé aux clients de beaucoup de niveaux. Je pensais toujours à la personne qui commence, qui n'a pas un grand niveau. Je cherchais que la moto il était facile à conduire, qu'il était agréable. Et après,
on a vu que même pour les personnes de niveau, quand ils essayent la moto, il les plaît aussi. Mais je n'ai pas jamais pensé à faire une moto pour les hauts niveaux. Je pensais à faire une moto pour les niveaux bas, qui soit agréable, qui soit facile à conduire et qu'on s'amuse sur la moto. Et après, on a eu bon, l'histoire que quand le pilote qui fait en ce moment, ils sont au top du championnat du monde, ils ont essayé la moto, ils ont resté impressionnés. Mais pour moi, c'est plus que jamais j'allais à chercher cette situation. Mais bon, s'il est arrivé, c'est bienvenu. Hein? Ouais, je crois que tu me disais que Tony Bull, il voulait plus descendre de ta moto. Hein, c'est ça. Hein? Non, il a resté impressionné aussi. C'était pas ma moto, hein, c'est la moto d'un ami. D'accord. Mm-hmm. Bon, bah écoute, prochain rendez-vous. Tu nous as invités chez toi en Espagne. Oui, je vous attends là quand vous voulez. Vous avez la porte ouverte. Bon, la porte est ouverte, bah, je crois qu'on va être obligé d'y aller. Et puis les frontières sont ouvertes. Oui. Merci James pour le test de la moto, c'était incroyable. Et puis c'est vrai que là on a fait le repas avec l'équipe d'RB. On s'est bien rigolé, on a parlé de l'épopée où notamment tu étais avec Jean-Pierre Gouin, hein, qui était le promoteur aussi de la Fantique 200. Ouais. Et tu me disais que c'est toi qui as présenté Jean-Pierre Gouin au patron de Fantique à Gratis. Je lui dis attention qu'il y a un gars qui fait des choses incroyables et je pense que sur la Fantique ça serait une bonne publicité. Et directement, je pense que la semaine après, ils ont commencé déjà à parler et tout de suite il est allé chez Fantique. Et ouais, Jean-Pierre Gouin qui faisait le show avec sa Fantique 200, qui est passé beaucoup de fois à la télé française. Oui, en Espagne aussi. Il est venu quand j'ai ouvert mon magasin en Espagne. Il est venu à faire les shows et il y a des monde qui maintenant encore parle de l'exhibition de Jean-Pierre Gouin. Merci Jem, hein, super. Merci à vous, je suis très content d'être ici. Vous avez fait un accueil très, très sympa et je me trouve très bien. Je vous remercie à tous pour les jours qu'on a passés très jolis. Bon, rendez-vous chez toi alors. Oui, on se trouve à Martorelles. Bye. Ok, merci.